Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi oui. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai un peu touché un peu à tout ce qui est luminosité parce qu'il y a soleil de dingue dehors. Je ne peux pas laisser ouvert parce que ça fait une grande zone de lumière là. Donc j'ai un peu essayé de farfouiller. Donc j'espère que ça va aller. Là au retour ça m'a l'air pas mal. Mais bon. Donc j'espère vraiment que vous allez bien, que cette, ce début d'année, d'année se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vais vous faire un haul Shein. J'ai commandé quelques petits trucs. Vous savez très bien que quand je commande sur Shein, c'est principalement que pour les ongles. Beaucoup de choses, on va dire accessoires, strass, etc. Parce que quand on voit certains prix sur les sites d'ongles, je me... Ouais, hein, on va aller au moins cher parce qu'au final, ça finit à la poubelle. Donc, on va commencer. Donc, j'ai pris... Vous allez comprendre, hein. J'ai pris des boîtes comme ça. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais vous en ouvrir une pour vous montrer. Je croyais qu'il n'y en avait qu'une seule à chaque fois. Il y en a deux. Donc j'en ai pris 6, donc j'en ai 12. Mais bon, c'est jamais perdu. Parce que j'ai beaucoup de, on va dire, de paillettes, on va dire, en vrac, dans des sachets. Et à chaque fois que j'ouvre, je prie pour pas que ça tout se casse. Donc je me suis dit, je vais en mettre là-dedans. C'est petit, mais ça suffit. Donc c'est un petit truc comme ça. Et à chaque fois quand j'aurai vidé, ben je remplirai de nouveau. Donc je vous mettrai les prix au fur et à mesure. Voilà. Ensuite j'ai pris quoi de nouveau pour les ongles? J'ai pris ces petites serviettes que je vous avais déjà montrées dans un haul. C'est des petites serviettes qu'on va venir mettre voilà quand on fait les ongles. J'avais d'abord des serviettes éponges comme on dit, normales, mais en fait ça fait beaucoup de peluche et après on en a plein sur les ongles et ça m'énerve. Donc quand je vais nettoyer le pinceau même là-dessus c'est beaucoup mieux. Donc j'en ai pris un en... Oh, j'en ai encore, hein, mais voilà. Vu que j'en ai, j'ai fait une commande, je sais pas quand je vais recommander, ça se trouve incessamment plus souple. J'en ai pris un en mode violet lila, voilà. Lila, la meuf, ouh, attention, elle connaît les couleurs maintenant. Et ça, plutôt un jaune, jaune pâle, voilà. Donc j'aime bien, c'était des nouvelles couleurs, je me suis dit, allez, vas-y, laisse-moi tenter. Donc voilà. Ensuite j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris des petits pots comme ça, l'idée parce que j'en ai pris deux, des petits pots comme ça pour mettre du cleaner ou quelque chose, enfin, ouais, pour mettre du cleaner. Bon je sais que normalement c'est pour quand on fait les ongles en, ah je sais plus le mot, avec la poudre là, bref, et qu'on met la solution là, mais moi j'aime bien avoir un petit récipient comme ça pour faire des mélanges ou des choses comme ça, donc j'ai pris ça en verre. Donc ils sont arrivés intacts. J'étais bien contente. Donc j'en ai pris deux comme ça. Voilà. Ensuite, toujours et encore pour les ongles, je me suis pris des petits. C'est des petits cotons comme ceci. Ils m'ont l'air pas mal parce qu'en fait ceux que j'ai pareil, ils sont bof, ils peluchent, ça commence à m'énerver. Donc du coup je me suis dit on va tester des comme ça. Donc ils ont des petits trous, je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, on va tester ça, on verra bien. Franchement c'était pas très cher, je me suis dit il y en a 180. J'ai dit si c'est bien, bah, je pouvais en prendre des boîtes beaucoup plus grandes, mais je me suis dit je veux d'abord tester pour voir. On verra, donc on verra, donc voilà. Ensuite j'ai pris quoi d'autre? Alors je vais incessamment sous peu vous faire une vidéo crash test parce que quand j'ai vu ça j'ai dit ça il faut que je teste. Donc c'est un petit normalement j'en ai deux, faut juste que je trouve les deuxièmes, voilà. C'est un truc comme ça, donc c'est des pochoirs pour se faire un eyeliner ou pour se faire pour se maquiller. Donc j'avais envie de tester, je me suis dit je le prends, je le ferai en crash test. Ça peut être pas mal, ça peut être rigolo, soit ça va marcher, soit ça va pas marcher. Mais pour le fun et pour le prix, je me suis dit allez vas-y prends-le. Et je me suis aussi pris des petits pochoirs comme ça. Alors je sais pas si vous allez très très bien voir. C'est des pochoirs pour les sourcils. Je me suis dit autant faire tout, hein. Je vous regardais s'il y avait pour les lèvres, mais il n'y en avait pas. Donc voilà. Je me suis dit, allez, on teste, on va rigoler un peu. Il y en a que 3, mais je sais pas quelle est la forme la mieux. Mais bon, bref, on verra
au moment du crash test, je pense qu'on va rigoler. Je pense faire un œil genre avec les pochoirs et l'autre avec mes... comme je fais d'habitude, pour voir quelle est la différence. Je pense qu'on va se marrer, mais vraiment, parce que moi je suis pas douée. En cadeau, j'ai enfin compris qu'on pouvait prendre des cadeaux. C'est mes filles qui m'ont dit ça à la dernière fois. Mais Marie, tu prends pas le cadeau? Je fais, quel cadeau? Et j'ai capté qu'en fait ils proposaient ça. Donc il y avait le Beauty Blender, donc je me suis dit, il y avait d'autres choses mais ça m'intéressait moins. Donc je me suis dit, comme ça on testera aussi en même temps que les patchs. Donc j'ai pris le Beauty Blender en cadeau. Après j'ai pris quoi? J'ai pris toujours pour les ongles. Alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est de la fibre, extension d'ongles en fibre de verre. Je sais pas comment on fait ça, je vais analyser, je pense qu'on peut analyser. Donc je me suis dit, quand il y a un petit morceau qui manque d'ongles ou quoi que ce soit, au lieu de s'emmerder à faire une extension chablon ou mettre une capsule ou quoi que ce soit, si c'est vraiment qu'un tout petit peu, je me suis dit pourquoi pas tester, on verra ben si c'est cool ou pas. Je perds pas grand chose en fait, c'était pas très très cher de mémoire. Donc je me suis dit vas-y fonce, t'as rien à perdre, juste à gagner. Ensuite j'ai pris aussi ça. Alors ça c'est pour attacher les masques derrière la tête. Ils sont comme ça, ils sont un peu rigides, je pensais qu'ils étaient moins rigides, mais c'est pas grave, hein. Je vais les utiliser, hein, parce que le mien il commence à tirer une sale gueule, celui que j'ai pour le boulot. Bon, c'est un noir, je préfère le noir, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de mettre un truc de couleur. Bref, j'en ai encore d'autres en couleur, mais bon, bref, je me suis repris ça. Pareil, c'était pas très 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 cher. Ensuite, quand je fais mes ongles, je mets souvent, bon là j'en ai pas mis, là si j'en ai mis, mais c'est un semi-permanent. Mais parfois il m'arrive d'utiliser des, comment on dirait ça, des paillettes libres comme ça. Et j'en fous partout, j'arriverai à récupérer. Et je me suis dit, pourquoi je suis en train de l'ouvrir? Enfin, je vais vous montrer. Donc je me suis dit que ça, ça pourrait être pas mal. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Donc... c'est un petit truc où on va venir mettre son doigt dessus, comme ça, il y a un petit trou, on va mettre les paillettes. Et après, en fait, on peut venir récupérer, hop, là-dedans, on a un petit entonnoir et chut, on le remet. Et c'est pas mal, il y en a, oh, à chaque fois je démonte deux, à chaque fois, il y en a deux, mais bon, à chaque fois je démonte tout. Je suis un peu brute là, je, doucement, regarde, hop, voilà. Donc je me trouvais le concept super sympa et... bon, c'est pas que les pailles, attention, sont très 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 chères, celles que j'achète. Mais voilà, si on peut récupérer, hein, voilà. Hein. C'est un ustensile qui va, je pense, me servir. Ensuite, pour les ongles, toujours et encore, je me suis repris ce set de pinceaux encore, qui était à moindre prix, c'est un de mes préférés. Voilà, j'utilise beaucoup le pinceau éventail qui est juste là. Je sais pas si vous allez bien voir, il y a un dunking tool aussi et il y a un tout petit pinceau aussi que j'aime beaucoup dedans, mais qu'à chaque fois je catalyse. Toi même tu sais, je ne suis pas douée, je catalyse sans m'en rendre compte et c'est sympa. Voilà, donc du coup ça coûtait même pas 1 €, je me suis dit vas-y prends-le, reprends-le. Ensuite je me suis pris un pinceau qui est un peu bizarre, mais j'en avais déjà vu sur certaines vidéos, pour faire des baby boomers ou pour faire des dégradés. Donc c'est un espèce de, je sais pas si vous allez voir, de pinceau, et encore il y a des petits poils encore qui sont un peu plus grands que d'autres. Donc je me suis dit je vais tester, j'ai pas envie de donner je sais pas combien à niveau tarif et au final ça marche pas. Donc je me suis dit vas-y tu testes, parce que voilà, moi, il y a des choses que je teste que je n'arrive pas. Donc, mettre plein pot pour un truc que je ne vais pas réutiliser, ça va un peu m'embêter. Donc, je vais d'abord tester avec ça. Ensuite, toujours et encore pour les ongles, je me suis lâchée sur tout ce qui était strass. J'adore ça. J'en ai là, je ne sais pas si vous allez voir. Et en fait, je trouvais que j'avais pas assez de choix. Et j'ai déjà des trucs en tête. Donc, il y a des strass. Alors, il faut que je regarde... qui sont un peu nude. Il y a des nudes clairs, des nudes un peu plus foncés avec des reflets qui sont juste à tomber. Donc je sais pas si vous allez bien voir, ils sont comme ça.
Donc pareil, voilà, ça, attendez, je vais mettre ça comme ça, voilà. Pareil, ça, ça coûte une blinde sur les sites d'ongles. Et pour ce qu'on en fait après, une fois on les prend, c'est hop, ciao, au revoir. Ou on les perd, bon ça va, je les perds pas trop. Mais pour que ça finisse à la poubelle, ça sert à rien de payer ça 7 ou 8 balles, 3 trucs, donc voilà. Après il y a ceux-là, mais ils sont juste, franchement, mais trop beaux. Ils sont comme ceci. C'est pareil, c'est un nude. Ceux-là, ils ont moins un reflet. Ils ont un reflet un peu doré. Et franchement, j'adore. Et mon coup de cœur. Alors, je les ai pris, j'ai même pas compris pourquoi. Mais oh, j'ai bien fait en fait. J'ai bien fait. C'est des bleus. Mais ils sont mais juste magnifiques. Mais trop trop beaux. On dirait qu'ils sont un peu chromés comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah mais ils sont trop 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 beaux et je regrette pas. Voilà, vous comprenez pourquoi. En fait, il y a différentes tailles, il y a des grosses, il y a des moyennes, il y a des plus petites. Et je trouve qu'on peut faire des trucs super sympas avec ça. Donc vous comprenez pourquoi maintenant j'ai pris les petites boîtes au début pour aussi ranger ça. Après, voilà, il y en a ce qu'il faut. Voilà, je sais pas combien j'ai payé ça, je me rappelle plus. Mais bon, après, ah mais j'ai encore ça. J'ai aussi acheté des strass, j'arrive pas à définir la couleur. Voilà. Ils sont mais juste trop 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 beaux. J'adore, j'adore. Moi les strass c'est toute ma vie. Strass, paillettes, etc. Je pourrais en mettre à chaque fois que je fais des ongles. Paillettes, voilà, paillettes, strass, paillettes, strass. Il y avait un petit lot comme ça. Ah, quand je les ai reçus, je fais, mais j'ai pas commandé ça parce qu'en fait j'avais vu que ce côté-là avec des petits, je vais vous les enlever, des petits triangles. Je me suis dit, non, en fait j'aime bien le basique. Et après, j'ai retourné pépite. Donc il y a ceux-là, donc il y a du noir, ou je sais pas si vous allez voir, du noir, du gris, du doré, du rose, du bleu clair, du violet. Et en fait ils sont pas comme les autres, ils sont un peu transparents et ils sont mais trop 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 beaux. Après là c'est des multicolores, mais voilà, en fait il y a des petits, des voilà, c'est la taille qui diffère et j'aime beaucoup, voilà. Et après, il y a ces espèces de triangles un peu chelous. Après, ils sont très très jolis. Ils sont de la même couleur, je crois, que les autres. Mais voilà, ça va servir. Ça va servir. Moi, j'ai pas de... Hein ? Je testerai ça une fois. Et ensuite... non, c'est pas terminé, hein. Ensuite, je me suis pris des petites... En fait, j'ai envie de... Comme j'avais dit dans ma précédente vidéo... J'ai envie de passer un peu plus de temps sur tout ce qui est ongles, un peu pour tester, pour essayer certaines choses, etc. J'ai une main d'entraînement que je n'utilise jamais, mais j'arrive pas bien à dompter, donc ça viendra avec le temps. J'ai acheté des petites fleurs comme ça, alors je sais pas si vous allez bien voir, voilà, il y a des fleurs blanches, transparentes, etc. Il y a des petites perles aussi avec, donc je me suis dit... qu'on peut faire des trucs super sympas et voilà, pourquoi pas tester. Après, pourquoi pas n'en mettre une ou une sur un ongle. Bon, après, ça sera en relief. Faudra faire très très attention. Mais pourquoi pas tester. Je valide. Ensuite, je me suis pris ça. En fait, j'ai pas compris pourquoi, mais je l'ai mis dans mon panier. J'ai dit, toi, t'es pas mal. En fait, c'est une boucle d'oreille. Alors, je suis contente pour une... Alors, pour une... Alors, en général, ça va. J'ai pas de casse, mais là il n'y a rien qui est cassé. La branche elle est super bien protégée. C'est pour mettre un petit peu comme ça. Je me suis dit pour faire des photos, parce que j'ai envie de faire refaire des photos, etc. C'est comme là, voilà. Hein, c'est pas un vrai. Non, je suis trop douillette, hein, parce que j'en ai déjà trois là. Mais quand je monte, j'ai un peu peur d'avoir mal. Donc c'est un faux que je mets de temps en temps. J'aime bien. Donc je me dis pour une occasion ou pour faire des photos. Ça peut être pas mal, pas mal. Vous voyez pas très bien, ça m'énerve. Donc je vais vous le montrer comme ça. Donc voilà, c'est comme ça. Donc j'en ai pris qu'une seule, hein, bien sûr. Je vais pas prendre pour deux oreilles. Et voilà, c'est comme ça, j'aime beaucoup. Hop. Et après, je me suis pris une bague qui est un peu spéciale. Parce que je me suis dit, j'ai envie de faire quand je fais des pauses, de faire des photos.
puisse voir mon évolution. Et je me suis dit, ben en vrai, alors je sais pas comment on met ça, je me rappelle plus. Faut que je prenne, je crois que en fait ça se met. Alors déjà, je pense, j'espère que c'est réglable, parce que j'ai des gros doigts. Voilà, il me semble que c'est, hop. Alors après c'est juste le temps d'une photo, je vais pas mettre ça pour sortir ou quoi que ce soit. Hop, et je crois que ça c'est sur l'autre doigt. Bref, j'essaierai de vous mettre une incrustation, voilà, comme elle est sur le suite. Donc je me suis dit, pour faire des photos, attendez, ça me stresse que je sois pas bien mis. Pour faire des photos, etc. J'ai dit, ça peut rendre pas mal. Alors après, du coup, je sais que je pense en racheter d'autres, mais je trouve que c'est trop beau. Voilà. Je voulais en argenté, je préfère l'argenté, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc sur une prochaine commande, voilà, pour faire des ondes, voilà. Je trouve ça trop beau, ça habille et c'est trop trop beau, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est trop trop beau, à part que j'ai dit ça 3 fois. Après, je ne sais pas si ça va tenir à force de l'ouvrir et de fermer l'écran derrière. Mais comme dit, je ne vais pas l'utiliser tout le temps. Donc ça devrait le faire. Et pour terminer... je me suis pris un body parce que je voulais absolument tester. Voilà. C'est vrai que, en vrai, j'ai du mal à mettre un pantalon et pas mettre un pull par-dessus parce que j'ai l'impression que ça fait pas beau. Mais depuis que j'ai acheté ma combinaison noire là, je me dis, allez, je me permets tout, j'en ai rien à fiche. Et du coup, j'ai acheté ça. Bon, c'est pas pour cette période de l'année. Mais je me suis dit, vas-y, je le teste. Et j'ai aussi envie de refaire un jour un look comme je faisais à un certain moment. Je me suis dit, ça peut être pas mal. Pas mal du tout. Par contre, il y a un truc qui me dérange un petit peu. Donc, je pense que je vais le modifier. Je vais voir avec ma mère si c'est possible. Voilà. Mais après, je pourrais pas passer mon cul par là. Bref, on verra. En fait, c'est un body qui est comme ça. En fait, c'est dans les trucs les pas chers du tout. Donc, c'est un body qui est comme ça. Voilà. J'essaie de vous montrer aussi une incrustation. Et en fait, c'est ça qui me dérange un peu. J'aimerais bien le couper et le mettre là derrière plutôt. Parce que là, il y a un côté, voilà, longue manche. Et là, il n'y a rien. Et ça me dérange un petit peu. Et même le fil qui passe là, j'aime bien. Il est super bien porté parce que j'ai déjà testé. Je ne l'ai pas testé dans la vie de tous les jours, clairement, parce que toi-même, tu sais, quand t'as un body, c'est la même chose, le même combat que quand t'as une combinaison. Mais voilà, je me suis dit, je vais prendre ça et je vais essayer de faire une vidéo un jour, un look, comme je faisais à un moment. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Make-up, coiffure et tenue, dites-moi si ça vous convient, si ça vous plaît ou pas. Donc voilà, mon haul Shein, c'est petit par rapport à ce que j'ai pu déjà bien faire, mais je pense que je ne vais pas tarder à recommander. Je suis une... galérienne, voilà, bref. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais vraiment d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.